abonné à Afrique Coup Télévision. Merci mille parce que vous allez ébélé connecté branché la chaîne Nabisso. Maintenant, de mille pour la confiance au monde à Rabisso, équipe à Afrique Coup Télévision. Tous allez en direct et à CEPAS, Bissikaninango, CPI et Bengisiba journaliste et pour la session d'information sur la mise en œuvre des réparations par les fonds au profit des victimes après. Il y a ces pays, Bissikani Nyambino Moribi, à faire Lubanga, à faire Baronyo, Sobazakuna, Netoyekolo, Bayeko, Limbo, les Labis, Omaïnyo, Oezali, il y a profit, il y a ma victime, et après il y a ces pays, Bola, Nalolengani Nyango, ma explication, et que les Canaba espèrent, Oyo, il y a Cour pénale internationale, Tolanda. Monsieur Richard, que cette session d'information sera animée, et donc vous avez là vraiment. Les bouches autorisées pour répondre à toutes vos préoccupations concernant la mise en œuvre des réparations, notamment dans l'affaire Thomas Lubanga et Bosco Tangata. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Kizita Forgoué, qui va d'abord commencer à vous présenter un peu ce qu'ils font, où est-ce qu'on en est avec ces questions de réparation, et puis après cela, son exposé, vous aurez la latitude de poser vos questions, vos préoccupations. Le processus de réparation, la plupart des activités restent confidentielles, mais les juges, surtout dans l'affaire Lubanga, ils ont rendu quelques informations publiques et ce serait ces informations qu'on va partager avec vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous parler brièvement du fonds au profit des victimes. Nous avons deux mandats, donc notre mandat d'assistance et notre mandat de réparation. Et ces deux mandats sont distincts parce que notre mandat d'assistance est indépendant de toute procédure judiciaire. Mais par contre, notre mandat de réparation est directement lié à un processus judiciaire. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Richard, qui est le chargé de programme adjoint sur le terrain, de présenter avec plus de détails le mandat d'assistance du fonds au profit des victimes. Heureux de vous retrouver devant vous afin de vous parler du mandat d'assistance du fonds au profit des victimes. En fait, pour rappel, le frère Patrick l'a dit, le fonds au profit des victimes est une émanation du statut de Rome et le statut de Rome a confié au fonds au profit des victimes deux mandats. Il y a le mandat judiciaire, le mandat de réparation dont Kizita va vous parler. Et le second mandat, c'est le mandat d'assistance générale aux victimes qui n'est pas un mandat judiciaire. En fait, pour le mandat d'assistance, les pays en situation, c'est-à-dire sous la juridiction de la Cour pénale internationale, dès que l'évaluation montre qu'il existe des victimes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans cette zone-là, les juges peuvent permettre à ce que les projets d'assistance générale commencent déjà en faveur des victimes qui sont là, même si il n'y a aucun accusé ou même si un procès n'a pas encore abouti. C'est dans ce cadre-là que sont mises en œuvre des projets d'assistance générale en faveur des victimes. Et pour le moment, ce sont les volontaires, ce sont des contributions volontaires qui aident le fonds au profit des victimes à mettre en œuvre ces projets-là. Les États parties, les donateurs privés, les fondations, et bien, les personnes de bonne volonté, qui, aux compensations des victimes dans le contexte des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même crimes de génocide, peuvent contribuer à vue d'aider les victimes. Alors, c'est depuis 2008 que le Fonds profit des victimes travaille dans le cadre des mandats d'assistance à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres pays, comme l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la République Centrafrique, mais nous allons parler plus de la République démocratique du Congo. Et nous sommes présents dans trois provinces, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Pour le premier cycle de projet, le fonds a exécuté ses projets de 2008 à 2017 avec un total de 16 projets et le fonds était en mesure d'atteindre 230 000 bénéficiaires directs et indirects. Il y a eu des impacts. Alors, le projet d'assistance, les projets se sont orientés sur trois volets. Normalement, nous avons la réhabilitation physique, la réadaptation psychologique et les activités génératrices de revenus qui sont dans le cadre du soutien matériel aux victimes. À cela s'associent des projets de réconciliation et de paix pour favoriser l'intégration des victimes au sein de leur communauté. Alors, les projets mis en œuvre par le Fonds Profit des Victimes sont des projets à valeur réparatrice. Nous avons plusieurs catégories de victimes, les mutilés de guerre, les victimes de violences sexuelles, les ex-enfants soldats, les victimes de massacres, et ainsi de suite. Donc, toutes ces victimes-là, sur base des critères de sélection, sur base des critères de vulnérabilité, le fonds apporte d'assistance aux victimes et pour reconnaître leurs droits. Donc vous voyez que le fonds profit des victimes était réalisateur de droits des victimes dans le système judiciaire international. Le deuxième cycle de projet a commencé en mai 2020, mais les activités ont effectivement commencé en juillet. Donc c'est pour 5 ans, dépendant bien sûr du financement. Et nous sommes au début de la deuxième année d'exécution de ce projet-là. Et là, nous avons 10 partenaires qui sont des ONG nationales et internationales, toujours dans les 3 provinces de l'Est. Et là, jusqu'à ce jour, nous avons déjà atteint 22 000 victimes qui sont en plein processus de réadaptation. Ça part encore, on n'est pas encore à la fin, mais le projet continue, les partenaires identifient ces victimes, le travail de réadaptation physique, psychologique, du soutien matériel a commencé. Nous estimons que après un certain temps, les victimes seront réhabilitées et ainsi rentrées dans leurs droits. Donc le Fonds Profit des Victimes a été créé en reconnaissance des droits des victimes. Et c'est un caractère spécial particulier pour le statut de Rome. Voilà un peu. Les projets de réconciliation et de paix sont très importants dans le contexte où il y a des conflits interethniques, des conflits entre les autochtones et les étrangers, et cela fait que les activités d'éducation à la paix, les activités de réconciliation sont des portages capitales. Parce que les tissus sociaux ont été déchirés, sans aider les communautés à se réconcilier, sans aider les communautés à promouvoir la paix, les réadaptations sont souvent difficiles. Il faut arriver à cela. Et dans une approche holistique, le Fonds Profit des Victimes arrive à atteindre ses objectifs. Voilà un peu à gros ce que nous exécutons dans les mandats d'assistance. Mais le détail des activités sont là. Vous verrez que les mutilés de guerre, par exemple, reçoivent des prothèses, des réparations de fistules, des chirurgies orthopédiques, le traitement des IST, ainsi de suite. On a tout un paquet d'activités pour la réhabilitation psychologique, avec des psychologues cliniciens, des agents psychosociaux. Et vraiment, c'est un détail dont nous avons vu que l'approche holistique permet la réadaptation des victimes. Et ce n'est pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez qu'une réadaptation prend toujours du temps. Voilà un peu dans le mandat d'assistance. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que
même si nous disons que ce n'est pas un processus judiciaire, mais ces projets d'assistance, au départ, les grandes lignes des projets sont toujours soumises à l'approbation des juges de la Cour pénale internationale, la chambre préliminaire, statue et approuve aussi ces projets pour les mettre en œuvre. Donc nous travaillons dans les zones qui sont effectivement sous la juridiction de la Cour pénale internationale. Voilà, pour d'autres détails, je pense que vos questions seront les bienvenues. On peut toujours échanger. Je vous remercie. Pour les réparations, comme je disais tantôt, les réparations sont liées à un processus judiciaire. Bon, comme vous le savez, nous avons trois cas actifs, trois affaires actives ici en RDC, nous avons, qui sont déjà au niveau des réparations. Donc, nous avons l'affaire de M. Katanga, nous avons l'affaire de M. Lubanga, et tout dernièrement, nous avons l'affaire de M. Bosco Taganda. Donc, je vais vous donner les informations très, très générales par rapport à là où on en est avec la mise en œuvre de ces réparations. Et aussi en vous donnant un petit historique par rapport aux crimes pour que ces personnes ont été trouvées coupables. Donc, comme vous le savez, je pense, le 7 mars 2014, M. Germaine Katanga a été déclaré coupable par la Cour pour plusieurs crimes. Donc, il y avait les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, notamment le meurtre, attaque à une population civile, le pillage, destruction des biens, etc. Et le 24 mars 2017, la Chambre de première instance a ordonné des réparations pour les victimes. Donc, un total de 287 victimes ont été trouvées éligibles pour bénéficier des réparations de M. Katanga. Et malheureusement, M. Katanga était indigène, donc il ne pouvait pas financer la mise en œuvre des réparations. Donc, la Chambre a fait appel au fonds au profit des victimes de débloquer des fonds, mais aussi de faire le fundraising pour trouver les fonds pour la mise en œuvre des réparations Katanga. Donc, la Chambre avait ordonné un montant de 1 million de dollars pour les différentes modalités de réparation. Il y avait le soutien scolaire pour les victimes, aide au logement, réhabilitation psychologique et bien sûr réhabilitation socio-économique. Donc, les réparations sont en cours. Il y avait aussi les réparations individuelles, donc c'était vraiment un montant symbolique qui devait être payé aux victimes. Donc, les réparations sont en cours et malheureusement, à cause du principe de confidentialité, je ne peux pas vous donner plus d'informations par rapport à ça. Pour l'affaire de la Cour contre M. Lubanga, il a été déclaré coupable le 14 mars 2012 pour les crimes de guerre, mais surtout pour l'enrôlement et la conscription des enfants de moins de 15 ans pour participer activement aux hostilités. Et le montant de réparation, c'était 10 millions de dollars. Donc, le 14 décembre 2020, la Chambre a approuvé la mise en œuvre de réparations collectives et a aussi publié le 4 mars 2021 les modalités de ces réparations. Donc, il y en a trois. Il y a, bien sûr, les réparations socio-économiques, il y a les réparations réhabilitation psychologique, et bien sûr la réhabilitation physique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pour les réparations socio-économiques, ça serait vraiment un échange avec les victimes éligibles par rapport à leurs souhaits et leurs compétences par rapport aux activités économiques. Donc ça peut être peut-être une formation professionnelle ou bien un AGR. Donc, ça serait vraiment un échange avec ces victimes
pour choisir le type d'activité qu'elles aimeraient exercer. Pour la réhabilitation psychologique, c'est vraiment travailler avec les victimes qui ont eu de traumatismes à cause des préjudices qu'elles ont subis. Donc, c'est vraiment travailler avec des psychologues en groupe, mais aussi individuellement. Donc, chaque victime aura un programme individuel pour travailler avec les psychologues, mais aussi il y aura des thérapies en groupe pour permettre aux victimes qui ont subi des préjudices à surmonter ça et vraiment mener les vies ordinaires. Pour ce qui concerne la réhabilitation physique, c'est vraiment, comme mon collègue disait tantôt, ces victimes, on en a plusieurs types de victimes. On en a les victimes qui auront besoin vraiment d'une intervention médicale à cause des préjudices qu'ils ont subis. Donc, ça serait vraiment des échanges avec des médecins et par rapport aux besoins de ces victimes, et ils auront des interventions médicales simples ou bien spécialisées selon leurs besoins. Nous avons identifié un partenaire de mise en œuvre pour la mise en œuvre des réparations Lubanga. C'est un ONG qui travaille depuis très très longtemps en RDC, qui a aussi des bureaux en Ituri. Et cette ONG va faire vraiment la mise en œuvre de toutes ces activités, mais bien sûr, le fonds au profit des victimes, les représentants légaux et les juges vont vraiment mener un monitoring et un suivi très strict pour s'assurer que les victimes sont au centre de toutes les activités menées et que les droits des victimes sont respectés. Donc, c'est très, très important de souligner que par rapport aux réparations, c'est très, très important parce que c'est une conséquence d'une procédure judiciaire. Donc, les victimes ont subi des préjudices et ces victimes ont droit à recevoir des réparations. Donc, on va beaucoup veiller à ça pour s'assurer que toutes les victimes auront les services où elles en ont besoin. Pour l'instant, donc pour les raisons de planning, on avait estimé d'avoir à peu près 1500 victimes éligibles. Et jusqu'à présent, on a déjà identifié à peu près 1027 victimes déjà, et le processus continue. En fait, les juges avaient mis le délai pour l'identification des victimes le 30 mars 2021, mais à cause de différentes raisons, l'insécurité à Ituri, la pandémie COVID-19, malheureusement, on n'a pas pu vraiment avancer avec ce processus. Donc, ils ont mis une nouvelle date pour le 30 octobre, pour qu'on continue avec cette activité. Donc, l'identification des victimes, ça c'est très très important parce que maintenant, nous sommes en train de communiquer beaucoup pour encourager les personnes qui pensent qu'elles peuvent être éligibles à bénéficier aux réparations Lubanga. Donc, si elles se sentent victimes ou bien si elles ont subi des préjudices causés par M. Lubanga, cette personne peut toujours se rapprocher de nous. Donc, je vais vous donner à la fin de ma présentation des différents moyens que cette personne peut nous contacter pour le processus d'identification. Donc, le processus est vraiment un processus très important parce que c'est des échanges avec les victimes potentielles, les représentants légaux et le fonds, là où on pose vraiment des questions très très particulières.
pour déterminer si le préjudice que cette personne a subi était causé par M. Lubanga ou pas. Ça veut dire quoi? C'est des questions liées à l'endroit où cette personne a subi des préjudices, c'est des questions liées au type de préjudice, c'est des questions liées à la personne, si la personne sait qui a commis les crimes, etc. Ok. Pour les réparations Taganda, ça c'est le plus récent. Comme vous le savez, le 8 mars 2021, la Chambre a rendu son ordonnance contre M. Taganda. Et c'était pour un montant très très important de 30 millions de dollars. Et cette affaire est tellement importante pour nous, au fond, parce que c'est pour la première fois que la Chambre a reconnu les crimes de violence sexuelle. Et parce que M. Taganda a été trouvé coupable pour des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le recrutement des enfants soldats de moins de 15 ans pour le viol et les violences sexuelles perpétrées par lui et peut-être toute son armée, et aussi pour les enfants nés du vol. Donc vous voyez que par rapport au type de victimes, le champ est un peu plus élargi que pour les autres affaires. Et c'est vraiment important pour nous parce que ces victimes ont des différents niveaux de vulnérabilité. Donc, la Chambre nous a donné jusqu'au 8 juin de cette année de préparer un plan de mise en œuvre pour les victimes les plus vulnérables dans l'affaire de M. Taganda, et jusqu'au 8 septembre pour développer un plan de mise en œuvre un peu plus élargi. Donc, pour l'instant, les modalités de réparation ne sont pas encore connues parce que nous sommes en plein travail et les juges n'ont pas encore prononcé. Les victimes qui sont identifiées sont les vraies victimes. En fait, nous avons un processus rigoureux parce que nous travaillons avec les représentants légaux, comme je disais tantôt, et ça, c'est les avocats. Et nous aussi, dans notre équipe, on a les avocats, on a les juristes. Donc, nous pouvons, par rapport aux différentes techniques et aux différentes questions qu'on pose, savoir si effectivement l'histoire racontée par une victime potentielle est vraiment en lien avec les faits. Et il y a aussi une période déterminée et des zones géographiques où les crimes ont été commis. Donc, je vais vous donner vraiment un exemple très simple. Si quelqu'un se pense victime, donc il y a toute une liste de différentes questions qu'on pose à cette personne. Ça peut être si peut-être c'est une victime de, de viol, par exemple. Donc la victime va nous dire là où ça s'est passé. Les qui, même si la victime ne connaît pas la victime que nous décrit, par exemple, ces années, le certificat était donné. Donc, vraiment, et ça doit être aussi signé par le chef traditionnel, ou bien le chef de lieu. Donc, il y a des différentes mesures de vérification par rapport aux histoires que les victimes potentielles nous rencontrent. Aussi pour dire que pas toutes les victimes sont éligibles, parce que souvent, il y a des victimes qui viennent, cette personne a vraiment subi des préjudices, mais ne sont pas éligibles pour l'affaire en particulier. Dans ce cas, on peut les référer dans notre mandat d'assistance pour bénéficier déjà des différents services. En fait, comme je disais tantôt, toutes les victimes ont des représentants légaux. Dans un cas comme ça, souvent la victime laisse quelqu'un qui, au cas, parce que
le processus, vraiment, on pose déjà la question, au cas où quelque chose vous arrive, qui va bénéficier des réparations? Donc souvent, les victimes ont déjà choisi les personnes dans leur famille, ça peut être leur époux, ou bien leur épouse, ou bien leurs enfants, vraiment ça dépend, mais la plupart du temps c'est une membre de leur famille. Et si ça arrive, nous préparons des documents pour informer la chambre et aussi pour proposer la personne que la victime avait proposée pour approbation de la chambre. Et dès que c'est fait, cette personne va bénéficier des réparations. Donc ça c'est arrivé plusieurs fois, surtout dans la mise en œuvre des réparations Katanga. Donc nous avons vraiment un système en place pour s'assurer que même si une victime n'est plus là, au moins sa famille va recevoir des réparations. Donc je vais passer la parole à Richard pour... Comme je l'ai dit, c'est depuis 2008 que le Fonds Profit des Victimes est actif sur le terrain à l'Est dans la mise en œuvre des projets d'assistance d'abord, parce que pour les réparations, la Chambre avait commencé par le procès judiciaire qui a pris du temps, mais le projet d'assistance était déjà autorisé à être mis en œuvre. Lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons exécuté les projets au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans le contexte de l'Est, la RDC, c'est pas facile de mettre en œuvre des projets. Et avec beaucoup de défis, le Fonds Profit des Victimes a travaillé. L'évaluation a montré qu'il y avait des forces, mais aussi des défis, des faiblesses. Le Fonds Profit des Victimes se félicite de pouvoir réaliser des projets durant des années en faveur des victimes. Les témoignages des victimes sont palpables, sont rédigés, documentés. Les témoignages des victimes, vous pouvez voir des photos, vous pouvez voir des petites vidéos qui montrent que les victimes ont été satisfaites des réparations qu'ils ont reçues. Bien sûr, d'autres peuvent être aussi mécontents, ça ne marque pas. Mais comme je l'ai dit dans le cadre du mandat d'assistance, pour le premier cycle du projet, le fonds avait réussi à atteindre 230 000 bénéficiaires directs et indirects. Si on parle de bénéficiaires directs, ce sont ceux-là qui ont reçu directement l'appui du. Par contre, les victimes indirectes pouvaient être, par exemple, les membres de famille de ces victimes-là, qui ont bénéficié aussi de la prise en charge d'une manière ou d'une autre, à travers leurs enfants, à travers leurs femmes, à travers leur mari. Voilà, donc ce sont des personnes sur le plan secondaire. Et pour les programmes de sensibilisation, il y a eu pas mal de personnes qui ont été impliquées dans le projet à travers les communautés. Alors, pour le nouveau cycle, j'ai parlé de 22 000 victimes identifiées jusqu'à ce jour, parmi lesquelles, bien sûr, il y a les catégories de victimes qui bénéficient directement d'accompagnement du fonds. Et aussi, il y a des écoles, par exemple, qui bénéficient de ce qu'on appelle l'éducation à la paix. Ceux-là qui sont venus à Bounia, à Goma, à Bukavu, vous parlez des projets qu'on appelle à l'école de la paix. C'est un projet qui est mis en œuvre par un de nos partenaires dans les écoles. L'objectif, c'est de transmettre le message de paix aux élèves, parce qu'on a vu que dans les écoles même, parfois les élèves ne cohabitaient pas. Les élèves d'une ethnie ne cohabitaient pas avec les élèves de l'autre ethnie, et même les enseignants ne pouvaient pas sentir les élèves d'une autre ethnie. Cette activité d'éducation à la paix a aidé
plus de 154 écoles primaires et secondaires à l'Est. Et ça, c'est dans le cadre de la garantie de nos répétitions, parce que les enfants deviennent des ambassadeurs de la paix dans leur communauté. C'est un volet très important pour le projet. Et c'est ici que vous verrez qu'on a atteint une centaine d'écoles, avec autant d'élèves et d'enseignants, des chefs d'établissement, on a des victimes directes. Comme vous le savez, pour M. Katanga par exemple, les crimes ont été commis en 2003, le 24 février 2003. Et vous voyez que la plupart des victimes directes sont déjà les adultes. Pour M. Lubanga, c'est aussi la même chose, les ex-enfants soldats. Mais pour M. Katanga par exemple, pour le soutien scolaire, ça peut être des enfants de victimes. Par exemple, donc ça peut être les très jeunes ou aussi les adolescents ou bien les adultes. Donc ça dépend vraiment du type de victime. Parce que pour M. Katanga, les enfants des victimes sont considérés comme les victimes indirectes. Donc le soutien scolaire est payé pour ces enfants. C'est vrai que c'est le papa ou bien la maman qui était victime directe, mais son enfant est en train de bénéficier parce que ses parents ont subi des préjudices. Donc vraiment, ça dépend, c'est des femmes, c'est des hommes et c'est aussi des enfants. Que le victime potentiel dans l'affaire Lubanga peuvent nous contacter pour des entretiens. Donc déjà, nous avons le numéro de maître Bibiane Bekondo. Donc je peux déjà vous donner. C'est le 081-06-01-02-53. Et le numéro de la section, je répète. C'est sous base de cet argent qu'ils ont en caisse qu'ils peuvent faire face aux réparations. S'il n'y a pas d'argent, ils ne peuvent pas faire face aux réparations lorsque l'accusé est indigent. La responsabilité première pour les réparations repose sur l'accusé. C'est la raison pour laquelle, même lorsque le fonds en profit des victimes fait face aux réparations en lieu et place de l'indigent, le greffe continue à suivre l'évolution de sa situation financière. Et dès que sa situation financière, devient normale, où il a des actifs conséquents, il va rembourser les avances qui ont été faites. Parce que c'est sa responsabilité à lui en tant qu'accusé de faire face aux réparations. Le fonds intervient parce qu'il est indigent. Et parce qu'ils ont les moyens, s'ils en ont, s'ils n'en ont pas, il n'y a pas. Donc en tant que média, vous pouvez aussi faire un plaidoyer pour que le fonds, les États, sur base volontaire, les individus, les particuliers, puissent alimenter ce fonds. Sans cette alimentation financière, le fonds ne pourra pas faire face aux réparations, ni dans le mandat d'assistance, important à retenir là-dessus, ni dans le mandat d'assistance, ni dans le mandat de réparation. Donc il y a besoin d'argent. Donc ce n'est pas une caisse où tout le monde pourrait aller épuiser en disant « bon, il y a l'argent, non ». Donc c'est aussi un élément important et fondamental là-dessus. Afrique cool, et abena cool, Afrique cool, abena cool, le quoi cool, ma topi, ma cool. La chaîne Nabiso Afrique cool. En tout cas, la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.